Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment faire une impression d'écran. Donc, je vais vous montrer comment faire une impression d'écran à partir d'un PC. Donc, je n'ai pas de Mac pour vous faire la démonstration. Donc, étant donné que la plupart des gens possèdent un PC, je vais vous montrer comment faire une impression d'écran sur un PC. Donc, c'est très simple. Encore une fois, il y a plusieurs combinaisons possibles. Donc il vous suffit de trouver sur votre clavier la touche où il y a marqué Imp Ecr, bien, ou Imp Écran ou Impression Écran. Donc une fois que vous avez trouvé cette touche, sur certains claviers, il vous suffit tout simplement d'appuyer dessus, donc comme ceci. Donc je viens d'appuyer sur la touche d'impression. Donc je vais aller dans Paint pour vous montrer. Ensuite, il vous suffit de faire CTRL V. Donc CTRL, c'est la touche qui se trouve dans l'angle en bas à gauche sur votre clavier. Donc celle-là, elle est toujours là. Vous faites CTRL et vous appuyez en même temps sur la touche V. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une impression de la page d'accueil de mon navigateur. Et je l'ai collé dans Paint. Voilà. Donc ça, c'est une combinaison possible, la plus simple. Donc maintenant, il existe d'autres façons de faire. J'en connais une autre normalement. Alors je sais plus si maintenant les claviers changent. Donc avant il fallait que j'appuie sur la touche fin et en même temps sur la touche d'impression. Voilà. Donc si vous avez des questions pour l'impression d'écran, vous pouvez également chercher sur internet. Il y a beaucoup de gens qui répondent à ce genre de questions pour les différentes combinaisons. Voilà. Donc j'espère avoir été assez clair et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.